bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et on est comme d'habitude accompagné de Dark Funeral 9, c'est tout. Comment il va celui-ci? Je me suis brisé une jambe. Moi ça va, ça va. Ça va toi? Bah ça va. Bon. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a gros? Mais je regarde sur quoi je suis tombé. Il a un marteau dans la main. Non non, ils sont beaucoup trop. Oh oui, il est balèze lui, dites donc. Donne-moi là-bas! Donc, on est parti, comme je disais, pour la suite de notre aventure avec l'épisode 5. Comme d'habitude, un petit like et un petit commentaire. Et on est tombé sur un fucking bug. Ouais, c'était littéralement un placard, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait pas, parce que c'était juste derrière, tu te souviens? Est-ce qu'on devrait pas aller ouvrir la planque pour que normalement le bug ne rebug plus, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec ce que tu dis, est-ce que tu te rappelles où est la planque? Bien sûr que non. Allez, on y va, on avance, direction donc notre objectif. On retourne au 1. Et encore, fallait qu'on trouve Marcon, on savait pas où il était, tu savais où mais il non. était, toi? Bah non, on a vu un bandit. Moi, on croyait que c'était Marcon, voilà mais... Il s'est levé à une vitesse, il m'a fait tellement peur. Déverrouiller des points, il y a un métro ici à déverrouiller, je crois. Hein. Oh oui. Oh oui, un métro. Mais faut... Alors quoi? Faut le déverrouiller que de nuit, genre. Ah bah d'accord, très bien, genre c'est la nuit ou rien. Ouais, le jour, vous avez pas votre ticket, vous passerez pas. Je pense savoir pourquoi. De pourquoi on peut y aller que la nuit? Pourquoi? Bah techniquement, le métro, c'est une zone sombre. Donc les zombies, ils vont en masse pour dormir. En masse? En masse. Oh, regarde. Attends, j'arrive. Attends, doucement. Et donc je me dis qu'il y a que de nuit où tu peux... Ah Pupu. Starshoot. Ah bah ils se réveillent tous, mais là faut y aller. Putain, mais ils sont balèzes eux, hein. Oui. Hop, je lui brise la nuque, ça peut marcher, ça a marché. Non. Est-ce non que c'est parce Pupu que... Bon sang, quoi faible. Est-ce que c'est parce qu'on est de nuit? Non, mais on est deux jours là. Ouais, mais vu qu'on est dans la maison. Oh, regarde, Bichette. Oh, c'est quoi, c'est un coffre? Ouais, ramasse. Oh, il y a une de la ferraille et okay. De l'alcool. Ça, c'est de l'argent, ça. Ça, c'est de l'argent, ça. On prend. Bon, qu'est-ce qu'on fait et où on va? Là, il y a un bail en dessous, il y a un point d'interrogation. On peut aller ici. Mais on avait dit qu'on avancerait un petit peu. C'est bon. C'est pas évident, hein, de contrôler les sauts dans le jeu, hein. Je suis dans une sauce absolue. Trop tard, je suis parti. Je vous rejoins. Ok, j'y suis bientôt. Donc là, on est dans la zone de quête maintenant. Donc faut chercher. Ah non. Il a l'air d'être en hauteur. Regarde. Je sais pas si... Ah, mon seul point faible. Ok, c'est bon. Ok, il a l'air d'être en hauteur. Trouvez Marco, le fournisseur d'eau. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Ah, je pense savoir où il est. Je crois que je l'ai. Je dors bien. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Bah, je tribuche comme un caca okay. À chaque fois. Je me suis accroché à une branche. Je l'ai, je crois. Non, attends. Attends. Ne crions pas victoire trop vite. Je pense qu'il est dans la baraque, en vrai, hein. Bah, je suis dedans. Ok, j'ouvre un placard, Fufu. Dedans, il y a un truc rare, ramasse, dans le placard. Ah, Fufu. Oh, putain, ça va être marrant, ça. Il y a du riz. Fufu. Il est dedans. Ah oui. Fufu. Oh là, ça fait boubou. Ok. Ah, on a des points de compétences non utilisés. Alors attends. Chaque chose à la fois. Utilise ton pouvoir. Hein. Oh, stop. 4. Ok, deux chacun. Sors ton arme. Oh, mais ils sont réveillés là. Oui. Arrêtez-vous, salaud de malin. Je vous donne mon épée. Bah voilà, tous morts, non? Bah oui. On peut ouvrir ça? C'est con. Ok. Attends, là je prends de l'UV là en vrai. Non? Non. Ok, là il y a des trucs à fouiller. Fouille. Cocktail Molotov. Il est pas là? Marco? Voilà. Il est trouvé Hans. Il est peut-être dans un petit placard. Mais non. Y'a aucune raison qu'il soit sur un... Attends. Peut-être si on fouille les corps, genre y'a sa carte d'identité au ref. Ça se voit. Je sais pas, hein. Attends. J'ai une bouteille. C'est très bizarre, non? Ah ouais, c'est chelou. On commence à remonter au cas où. Trouver Marco. Ben ouais, mais les gars, je... Ben nous, on veut bien le trouver, le Marco, mais est-ce qu'il a envie d'être trouvé aussi?
Ah, si. J'ai Bichette. C'est bon. T'as ? Je crois. Ok, là, il y a une lumière UV. Ça recharge. Marco ? Attends, t'es où ? Une lumière UV qui recharge. T'es en haut ? Non, je suis au milieu. Monte sur le bordel, voilà, tu me vois. Marco ? Ok, là, il y a un bail, un coffre. Ah, ici ? Oh ! Voilà. Ah, mais il est là ! J'ai trouvé ! Et ben voilà, tu vois ? Je crois que c'est lui. Je l'avais même pas vu contre le mur, gros. Allez, go. Ah, bon, on a trouvé la première quête. Et c'est qu'une quête, Alex ! Super. Un autre super. Voleur. Il manquait plus que ça. Entre les voleurs et les infectés, je vais finir sur la paille. Je suis là parce qu'un certain Julian dit que tu lui as vendu de l'eau empoisonnée. J'ai rien empoisonné. Pigé ? Julian affirme le contraire. Mais bien sûr, je vais écouter le type qui m'a vendu de la farine mélangée à du plâtre. Si t'es pas un voleur, comment ça se fait que t'es avec les infectés ? Je dois m'en débarrasser. Sinon, je suis grillé. Peu importe si l'eau est empoisonnée. Ah, ça marche. Je me charge des infectés et tu me dis ce qui s'est passé. Voilà, Jeff. D'accord ? D'accord, ça marche. On a pris une longueur d'avance. En effet, sans le vouloir. Non mais surtout qu'à quel moment on aurait vu le trou alors qu'on est tombé comme des... Mais je te jure, je crois qu'on est beaucoup trop fort pour ce jeu. En effet, nous sommes un peu trop rapides. Oh, ils sont revenus. Oh bah dis donc, les 7 boules de cristal sont dans tous les jeux maintenant. Oui, ils sont revenus à la vie. Oui. Oh mais ils sont même revenus beaucoup plus nombreux. Mais dis donc, c'est que ça se multiplie ici. Ça se reproduit dans le côté des zombies. J'ai hâte de voir ce reportage sur Arte demain. Hein. Bon, par contre, ça part au pop, la caisse et tout. Hein. Fallait peut-être pas trop en demander. Hop, ça en prend. Voilà, ça dégage. C'est bon, allez, par contre, on peut les refouiller. Ouais, et ça, c'est beau. Merci, les gars. Ça va, merci. Ça fait de la thunasse. Hop, 15 balles. De la ah, bah on prend, les gars. Hein. Allez. Et là, on y retourne. Et genre là... Attends, on regarde. Ah non, faut open the door. Non, faut la fermer maintenant. Il veut pas fermer la porte. Oh, j'aurais kiffé qu'il ferme la porte, ça lui éclate la gueule. Je te jure. Ou alors, il se lève d'un coup. Bien, t'es en sécurité. Bon, c'est quoi cette histoire d'eau ? Attends. T'es bel et bien un de ces tarés de pèlerins. Attends, taré ? Maintenant on est à l'abri. Faut être un putain de criminel. Ou complètement barré pour se laisser embarquer sur des centaines de kilomètres dans un monde envahi de virulents. Barré dans le bon sens du terme, bien sûr. Ok. Et l'eau alors ? Mon eau est parfaitement normale. Un homme du bazar a été empoisonné. Tu vas être tenu pour responsable s'il meurt. Merde. Bon, d'accord. C'était un accident, d'accord ? Un accident. Des voleurs ? Ils n'arrêtent pas de me voler mon eau. J'en peux plus. Du coup, j'ai décidé de préparer un piège. T'as délibérément empoisonné l'eau pour tuer les voleurs ? Pas vraiment. Enfin, c'était pas mon objectif. Il y a quelque temps, j'ai tué un virulent qui a débarqué ici en rampant. Et l'enfoiré est tombé droit dans la cuve. Tout le merdier était foutu. Et c'est là que j'ai eu une idée. Pourquoi pas donner une bonne leçon à ces enfoirés ? J'ai donc rempli des bouteilles avec l'eau du zombie. Et je les ai laissées à la vue de tous. Elles n'étaient pas censées finir au bazar. Ces bouteilles ont dû finir aux mains de Julian par erreur. Je te donnerai toute ma farine. Et je te filerai même un petit extra. Ne le dis à personne, ou ce sera ma ruine. Donc on a un choix moral à faire. Il va tenir Julian pour responsable et le pendre. T'en fais pas pour Julian. Les fouines comme lui trouvent toujours moyen de s'en sortir. Et sinon, ça en fera toujours une de moins dans ce monde. Alors, t'es d'accord ? Oula, Fufu ? On a un choix moral, c'est ça ? Bah, ah mais je sais pas, on leur dit la vérité en vrai, non ? Bah oui, le Julian il y est pour rien, ouais, le pauvre. Julian il fait miskin, frère. Sois sincère et raconte ton histoire aux habitants du bazar. C'était qu'un accident. T'es taré ? Personne ne m'achètera plus jamais d'eau après ça. Je vais pas laisser Julian se faire pendre pour quelque chose qu'il a pas fait. Rien à foutre de Julian.
Je dois bien sauver ma peau. Tu n'as donc pas l'intention de raconter cette histoire. Oh putain. Une patate, bon sang de préfet. Ouf, c'est terrible. Oula, la porte est serrée. Vas-y, vas-y, hein, on tabasse à deux, frère. Pourquoi tu fais quoi, monsieur? Alors? Ah, c'est qui, c'est qui? Tu vas pas dire la vérité à Julien? Attends, faut que je respire, c'est bon. Vas-y, vas-y, je prends la relève. Vas-y. Attends, je respire. Il a plus de bras, plus de jambes. Ouais, hop, allez, ça dégage. Hop, de la farine, hein. Voilà, les petites salopes dans ton genre. Ça merci, dégage, hein. Merci pour la planque. Bon, bah voilà. C'est devenu notre planque? Non, mais bon, merci quand même pour la planque. Alors, merci. Attends. Bouge pas, parce que là, c'était assez drôle. Retournez au bazar ou trouvez Hans le chasseur avant qu'il ne boive l'eau. Ah bah oui, Hans. Ah putain, Hans. Bah oui, il va se faire enculer, le Hans, si on le chope pas à temps. Il est sur deux. Allez, go. Go, 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 on va au deux. Hans, ça va. Non, là, c'était un bâtard, il méritait. Mais il nous a donné une farine. Sympa. On va pouvoir faire trois crêpes. En plus, c'est la saison, là. Hop, excusez-moi. Excusez-moi. Putain, ils font de la peine, ils sont en train de brûler. Attends, les zombies. Wesh, il y a des humains mélangés aux zombies. Oui, il y a des gentils, des méchants. Non, mais genre, ils sont mélangés. Frappés. Excusez-moi. Ah oui, il est là, en mode, ils vont nous tester. Hans, t'es là? Je crochette, tu me cover? Vas-y, ce cover, parce que je crois que les mecs qui veulent nous tabasser, c'est les humains que tu as croisés. Ils écartent les bras, ils ont fait alors. Ok, c'est bon, bichette. Ah, il a des cailloux. Ah ouais, c'est bon. Regarde là. Hans. Bois pas l'eau, Hans, hein. Tu vas avoir la chiasse après. Oh non. Oh là. Arrête! Bois pas cette eau! Oh, de l'eau! Ah non, ça c'est pas de l'eau! Oh! Ce crétin a encore dû se tromper de bouteille. Il est capable d'oublier sa propre tête. Comment ça, se tromper de bouteille? Il prend toujours un peu de gnôle avec lui quand il va chasser. Mais l'alcool est ici. Ce qui veut dire que c'est lui qui a l'eau. Où il est? Et qu'est-ce que vous manigancez? L'eau que Julian lui a donnée. Elle pourrait être contaminée. Il chasse à la tour militaire à quelques centaines de mètres à l'ouest d'ici. À moins qu'il ne soit au terrain de sport. Je vais aller à la tour. Toi, va voir les terrains, et vite. Attends. Prends l'alcool avec toi, au cas où il ait déjà bu de l'eau. Ce qu'il y a dans cette bouteille peut sûrement éliminer ce qu'il y a dans l'autre. Oui, bien sûr, et Donald Trump, il a bu du gel hydroalcoolique, il a dit que ça guérissait du Covid, mais tout va bien. Oh là là, bah c'est l'Amérique. En Amérique, ça aide beaucoup. Vas-y, prends la gnôle. Ok, et ben deux toujours, hein. Let's go. Hans. Il est parti, ça c'est quoi, genre. Bah, je sais plus. Des mouches. Ouh, je suis une mouche. Attends, il y a un moulin à vent, pas loin là. Tu sais ce que ça veut dire, hein. Ah, ça veut dire que. Il est là, il est juste ici. De qui? Le moulin. Où ça? Ah, on peut pas le faire. Pourquoi? Ah, on est en quête? Non, ça me dit qu'il faut 160 d'endurance. Bien sûr. Ah mais attends, on a des points. Mets-les. Non, l'endurance c'est avec les ouais, trucs là. Ouais, mais mets les points quand même. Main ferme, effectuer une ultime escalade quand vous êtes à court, ok. Et ça, atterrissage actif. Réduisez les dégâts. Oh ça c'est bien ça. Coup de pierre, rien, ok. Ouais, c'est ce que je vais prendre. Allez hop, j'achète. Ouais, je vais prendre la roulette moi. Ok. La roulette, hein, la roulade. Go, go, go. C'est plus qu'à 30 mètres Fufu, on y est bientôt. Donc ça veut dire que si je saute de là, je peux faire une roulade là? C'est peut-être un peu haut là. Non, c'est peut-être... Fais pas trop haut, hein, quand même. Hein, si ah, j'agonise. Non, t'es mort? Non, faut que tu me raises. T'es où? Je suis où? J'arrive. Je me suis fait mal aussi. La roulade, elle a pas marché. C'est rien, relève-toi. Merci. Alors attends, soigne-toi. J'ai plus soin, faut que je m'en fabrique. Oh non. On va éviter de fabriquer du soin en plein milieu des zombies. Ouais. Viens là-dessus. Attends. Non. Hop là. Wait. Hans. Passe, Fufu. Hans. Mais il est sous toi, il te met des patates et tout. Ok, c'est bon. Hans. C'est bon. Il est où? Il est où là? Faut qu'on le trouve. Hans. Hans Osama. Hans San. Un peu plus haut peut-être. Hey, t'es... Ouais, ouais ça mais me non, tu chasses pas en hauteur si. À moins d'avoir un snipes.
Il a l'air de. Ah, j'entends un mec. Non, c'est pas lui, c'est pas là, lui. Là, 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 ici, il est là. Tu l'as? T'es où? Ouais, je l'ai. En haut. Attends, mais il y a des zombards qui escaladent. Jamais je vais pouvoir monter. Tu les vois pas? Attends, parce que des fois ton personnage il s'accroche à rien, frère. Maintiens là, R1, maintiens R1. Putain de merde. Voilà, re. Allez, tu l'as? Oui, il est là. Putain, bien joué. Hans? Hans. T'inquiète, on a de l'agnole. T'as désinfecté de l'intérieur. C'est toi, Hans? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as bu de cette eau? Bordel, ouais. Elle avait un goût de chiotte. Bah attends, on lui donne l'alcool direct, comme ça. C'est ton alcool. Prends-le. Ta femme a dit cul sec. On va pas parler pour rien et lui dire qu'elle est empoisonnée, il s'en branle. Des conneries. Quoi? Ma femme a dit ça? Ma Anna? Elle pense que l'alcool est assez fort pour éliminer le poison de ton système. Ha! Ma femme! Elle m'aime donc encore, malgré ses plaintes. Il va mourir. Ils disent que le romantisme est mort. Santé pour cette journée. Et probablement pour m'avoir sauvé la vie. Besoin d'aide pour rentrer? Non, je me débrouille. Cette bouteille et moi, on a encore du pain sur la planche. Ah non. Ok. Imagine l'emporter pendant qu'il se plaint, il fait ah, c'est crise cardiaque et tout à la Death Note. Oh là, regarde ses jumelles, gros. Ouais. Elles sont. Tu les vois, un mètre au-dessus? Bah ouais, ouais. Waouh. Comment vous faites, Hans? Oh putain. Oh, mes jumelles, elles sont cassées. À savoir que. Quoi? Tu peux pas casser tes jumelles. J'ai une fissure sur mes jumelles, je l'avais pas. Ou alors j'ai si, jamais. On les... Si, 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 c'est juste que t'as jamais fait gaffe, gros. Attends, y a un point d'intérêt ici. Viens, 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 viens. Un point d'intérêt, pardon? Où ça? Là, juste là. Localise. Là. Localise. Non, t'es passé devant, tu m'as délocalisé. Hop, c'est moi qui prends le point d'intérêt. C'est bon, plaque, planque de traceur nocturne. Où ça? Là. Tout droit un peu sur la gauche. C'est vers un arbre en fait. J'ai visé un arbre et ça a marché. Attends, ok. Ok, j'ai une station électrique aussi à travers un arbre. On a une planque pas loin ou c'est trop? Le moulin? Non mais là on a une planque activée ou pas où on peut rentrer maintenant? Non non, on peut, je crois qu'on peut rentrer, on a pas de planque dans et le coin. Allez, attends parce que les planques faut les trouver nous-mêmes hein. Voilà. Attention Pupu, hein, il y a tout le monde. Oui, je fais l'équilibriste. On va tranquillement passer par là et on bouge hein. Ok, on est pas mal. C'est pas possible, tu me cherches. Quoi? On est d'accord, il y a quelqu'un qui voulait nous agresser là derrière. Bah je suis complètement à l'opposé de gauche. Ah merde. Où j'ai fait une roulade. Mais en vrai, il y a beaucoup d'animations en dehors, ça c'est cool. Ouais, bah là parce y a... que Dying Light 1, il se passait rien en dehors de la ville hein. Je sais pas bah, surtout si qu'il y avait mais... y avait pas d'event hasardeux, tu sais, ouais, genre des PNJ qui ont besoin d'aide ou quoi. Clairement, clairement. Ça c'est assez cool. Les années 80 sont de retour, bébé. Voilà. Voilà. Vas-y, bébé. Je sais pas ce que j'ai ramassé, peut-être une musique. Ok. Donc là, il faut juste rentrer, c'est ça? Ouais, bah... ce qui est déjà pas trop mal en soi, mais... Oh, putain, mais y a... Ah, y a des vrais humains et des zombies. Ouais, exact. Mais t'as vu les... Pourquoi les zombies attaquent pas les vrais humains? Ben, je pense que les deux, ils sont méchants. Oh, Fufu. Oui. C'était pas là, par hasard, en plus, qu'on avait... qu'on était rentré? Je ne sais... Découvert moulin. Je sais plus, mais... Ok. Attends, c'est à 200 mètres. Viens à 200 mètres. C'est bizarre un peu. Pourquoi les zombies attaquent pas les autres humains? Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'ils sont contaminés en début d'infection? Un truc un peu chelou. Bon, attends, pourquoi vous avez détenu? Oh, c'est des médecins, non? Ah ouais, miskin. Des médecins zombies? Ouais. Ah ouais. On est près d'un hôpital, peut-être. Ah oui, regarde, il y a le truc du GRE, là. Eh ben, voilà. Ouais, ça va, en vrai, il y a... Ah putain, comment... je viens de tiquer un truc dans la TH. Vas-y. Bon, en fait, tu sais là où il y a l'épée et la lampe torche? Ouais. Bon, en gros, quand il y a un truc à côté, tu sais, le truc d'adrénaline là pour gagner des points là, et ben t'as un truc qui fait bip bip, il détecte genre. Il a une espèce d'alerte de proximité pour dire ah, il y a un coffre ou un truc.
D'accord. Parce que là, il vient de biper quand je passe à côté du truc du GRE. On va où, en fait? Bah là, on rentre... C'est vrai, genre, je te suis. Bah, on rentre à la maison, là, non? Ouais, voilà. Oui, c'est que... On retourne au bazar. Je voyais plus de points jaunes. On va annoncer ce qui s'est passé, qu'on a démonté le man qui a voulu trahir le frérot... Ah ouais, Julian. Julian. Voilà, mais d'abord Julian. Allez, bon. On va tout leur dévoiler. J'espère qu'il y a un beau cadeau. Hein. Allez, régale donc mon ref. Hein. Parce que franchement, là, la mission, elle était ardue hein, pour une première mission Ketanek. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. Le mari de Bébine est mort. Julian a été accusé de son meurtre en empoisonnant son eau. Aiden, je t'en prie, dis-leur que c'était pas moi. Gros bâtard, qu'est-ce que j'ai gagné? Julian n'est pas des bâtards, on est d'accord. Un virulent est tombé dans la cuve de stockage du fournisseur. Le crétin a vendu de l'eau contaminée à Julian. C'est pas un meurtre. Tu es prêt à le jurer devant le conseil du bazar? Ouais. Où se trouve ce fournisseur? Il doit subir un procès. Marco est mort. Je l'ai tué. Dans ce cas, mon travail est terminé. Très bien, je te pardonne. Cet enfoiré de Marco a eu ce qu'il méritait. Merci, Aiden. La moitié de ma farine est à toi. La farine mélangée à du plâtre? Hein? Non! Où as-tu entendu? Ouais, bon, quand... Mais... Enfin, je veux dire... Garde ton plâtre. T'as qu'à me payer et c'est réglé. D'accord. Je vais tout raconter à Bébine. Okay. T'imagines un sacré crêpe, genre tu penses à une crêpe et en fait tu ressors avec une plaque de placo là. Oh, on a gagné un niveau je crois, non? Oh, j'ai gagné un marteau. Ouais, moi aussi. Ah, on a gagné un niveau et un kit de soins militaires. Bon, oh là, c'est qui faisait du surf là? Tu l'as vu? Oui. Alors... Ah, je pense qu'il y a des trucs à vendre là. Main ferme. Oh, moi je suis une main ferme. Ah putain, mais j'ai looté plein de trucs. Esquive parfaite, c'est quoi? R1, vous déplaçant intégralement, une esquive désoriente un ennemi. Ok. Coup de pied aérien, bon, on va prendre ça. Hop, allez, un coup de pied aérien, ah ça va. Oh, j'ai presque envie de sauter là et de ça va, t'as un mec. Vas-y, saute. Contendant, tranchant. Eh, où est-ce qu'on peut soigner chez lui, tu penses? Où est-ce qu'on peut soigner notre stuff? Alors ça, je ne sais pas du tout. On peut avoir des couteaux de jet, on peut faire des crochets, modifications, améliorer avec des objets, très bien. Consommables, accessoires, modifications d'armes. Oh putain! Quoi? Regarde les plans qu'on peut acheter. Flambé, venin et tutti quanti. Ah ouais, venin, flambé. T'as vu? Oh, on peut avoir des flèches. Alors ça, c'est arme pointe et arme manche. Eh, attends, le booster d'endurance, il vaut cher, hein. On revend le nôtre. Tu as trouvé ton bonheur. Le booster d'endurance. Attends. Ah, mais ça augmente l'endurance pendant 60 secondes, je pense que ça peut être pas mal. Eh, je peux faire des couteaux de jet. Vas-y, j'en fais un. Ah, c'est quoi arme de... En fait, t'as vu, t'as les modifications arme, la pointe et le manche. Ça veut dire qu'on peut faire une arme venin flambée. Ou double flambé? Peut-être, sûrement. Mais là, j'essaye de voir un petit peu comment ça marche pour les armes. En tout cas, j'aimerais bien voir. On peut pas réparer, j'ai l'impression. Hein. Tu crois? Ah, ou si, peut-être si, plus si, tard. Si. On peut effectivement, on peut accumuler les trucs gros. On peut même mettre un porte-bonheur. En gros, faut acheter les plans de pointe et les plans de... C'est ça, de la garde. Ok, bah, j'ai pas l'impression qu'on puisse... tu vois? On fait quoi, là? On va direct... Ouais, on va voir... On va voir Akon. Allez, il est où? Come with music. I see you running. Allez! On va voir Akon. Oh, c'est parti! Direction la quête. Mine de rien, attends, parce que quand j'y pense, ça veut dire que l'épisode 4, on a même pas fait une quête, on est flingué. Non, c'était pas ça. Oh là, il y avait un gros ours, il m'a fait peur. C'était lui avec Eminem. Ah, mais c'est lonely. En fait, j'ai faire la voix, mais il était flingué. Hein. Ah putain, mais maintenant, faut que je pense que quand je saute et qu'il y a un zombie en dessous, là, que je lui mette un double star shoot dans la tête.
Tu fais beaucoup, toi, les esquives et tout ? Détecté. Oui. Bon, le double starshoot, ça a pas très bien marché. Elle a dit quoi ? Il y a quoi de détecté ? Là, regarde en bas. Viens, là où je suis. Tu vois en bas à droite, 47 mètres. Attends, ça le point faible. Attends, de quoi ? Viens là où je suis. Tu vois quoi ? Fufu, attends, parce que j'ai dû partir, je suis en problème. Reviens là où je suis. Dis-moi, il y a quoi ? Bah en fait, il y a le truc du GRE qui parle là, et en fait ça met un truc avec des mètres, et c'est les inhibiteurs, c'est ce qui nous permet de gagner en endurance et tout. Ouais, et c'est là où t'es ? Bah en fait, c'est écrit 30 mètres, 34 mètres, et je pense qu'il faut essayer de trouver, tu sais, c'est un espèce de... Ah mais regarde, il y a le moulin là, on l'a pas fait ce moulin. Ah bon, en plus on l'a pas fait ce moulin, mais tu sais, bon, ça fait une espèce de... Tu Bien. Chauffes, tu brûles, tu refroidis, il faut avancer... Ok, j'arrive. Là, oh, il a 19 mètres. Je te jure, j'ai entendu un bébé, gros. Un bébé ? Conteneur d'inhibiteur détecté. Viens. Oh merde. Attends, viens, on fait ça déjà là, non ? Chaud ? De quoi ? Icon ? Non, le moulin. Ok, attends, je suis en train de me faire savater par des vilains humains. Des pas beaux ? Ah, ils sont vraiment pas beaux. Ah, si tu veux du soin, y a du miel. Ici. Fufu ! Oui ? Ok, je monte, hein. Vas-y. Fufu ! Ouais. Ok, c'est bon. Oh la vache, ça consomme tellement. J'arrive, hein. On va essayer déjà. On transforme ce moulin à nous, là. Ouais. Ah, j'ai trouvé le conteneur. C'est vrai ? Attends, oui. Non, attends-moi. Ouais, mon sac pas faible. Ok, attends-moi, gros. Hein. Oui, je t'attends. Parce que là, on va pouvoir faire un truc de ouf. Fallait faire quoi une fois que t'étais en haut pour... T'avais un espèce de... tu sais là où il y a électricité, les fusibles et tout. Ok. Bouge pas parce que... Eh, ce moulin, il est pas facile. Ça me rappelle les quêtes un peu Ubisoft. Oui, c'est ça. Oh non, faut que tu viennes. Bah appuie sur bas. Ouais, vas-y. Désolé, tu vas te TP. Non, okay, mais je vois où il est. Tu vois où je suis ? Ouais, je vois, ouais. Bah, c'est là. Ok. Tu me vois ? Ouais. En une seconde ? Je cherche ton énergie. Oh, mais où est-il passé ? Elle sent Goku, je suis derrière toi. Il est beaucoup trop fort. Allez, un moulin supplémentaire à nous. Ah oui, ils ont pas vu la première prise du moulin. Non. Eh ben voilà, bah c'est pas grave. On aura fait une quête annexe assez balèze et le moulin. Et ça, c'est beau. C'est bon, ils ont pris le moulin, on peut construire. Enfin, quelqu'un a eu le cran d'aller en haut du moulin. Il a rebranché le fil. L'électricité est à nous. Ah mais en fait oui, on réactive l'UV, donc les gens ils peuvent venir vivre en dessous. Ouais. Bah oui, non, c'est logique. Par contre, ça pourrait être de faire comme dans les tours dans Assassin's Creed et débloquer directement tout ce qu'il y a autour. Mais il faut le faire nous-mêmes, avec notre petite jumelle. Ok, sortez plus belle jumelle, petit. Ouais, y'a un truc ici. Oula. Okay. J'ai cru entendre tirer, mais je croyais qu'il y avait pas d'arme à feu dans le jeu. Attends. J'ai un truc vers moi, mais impossible de savoir où, mec. C'est un enfer. T'as localisé un petit truc, là, ou pas sympa ? Ouais, mais ça avait l'air d'être... bof. Là, j'ai un truc vers moi, là. Impossible de savoir. Ouais, au fond, là, j'arrive pas non plus. On est d'accord ? Ouais, non, faut qu'on s'en rapproche. Ah, si, j'ai, c'est bon, j'ai. Boum, parachute militaire, what ? Tu le vois ou pas ? Non, je vois pas du tout. Et si je fais, tu le vois, là ? Je l'ai pingué. Ah, si, je le vois, là. Oh, il est loin. Ouais. Ouh, là, il est rouge, ça veut dire que c'est trop haut level pour nous. Ouais, il faut 300 d'endurance pour y aller. Et là-haut, il y a du très très lourd. Ok, on est bon ou pas ? On est très très bon, bah, on va aller chercher l'inhibiteur. Hop, là. Attends. Ah, il y a un matelas ici. Où ? T'es où ? Là. Tu crois ça passe ça ? Oh, Fufu ! C'est vide le matelas. Ouais, c'est bon. Allez, go. Et il était ici le truc. Ouais, il était pas loin normalement. Là. Oh ! Et ben GG. Il y a un booster d'immunité, il y a un lunette de protection et l'inhibiteur. Attends, ça a pas disparu là pour toi ? Non. Ok, parfait. Oh, il y en a eu deux ! De quoi ? Il y a eu deux inhibiteurs ! Ah oui ! Ça veut dire qu'on peut upgrade soit l'endurance, soit la santé. Ok, alors attends. J'attends. Tout en bas. T'as débloqué quoi, toi ? Moi, je vais débloquer l'endurance, je pense. Je pense qu'on manque grave d'endurance. Ouais, c'est vrai, j'avoue.
Parce que bon, l'immunité, on peut pas augmenter l'immunité, non. Ouais, l'endurance. Ah, hein. D'accord. Et grâce à ça, on peut faire des sauts encore plus lointains, ça débloque même là. Et voilà, et on a 120, et quand on aura 140, on pourra aller sur l'autre moulin, etc. etc. En gros, ouais, les inhibiteurs, dès que le truc fait bip bip, inhibiteur, faut y aller. Attends, hein. J'essaye de lui briser la nuque. Il a pas réagi. Mort. Bien joué, gros. Eh, mais là, bien joué de ouf, très bel épisode, ça. Ah ouais. En gros, tous les inhibiteurs, là, faut. Attends, y'a pas un petit zombie en contrebas que je fasse un double star shoot? Attends, comment tu peux faire ça? Viens, saute attends, ici. Attends, c'est comment, c'est bah, Viens, je suis. Là, y'en a, viens. Faut maintenir L1 quand tu sautes sur un ennemi. Viens que je te vois là. T'es où? Hop, je suis juste en face. Saute. Ok. Et y'en bon, a juste en bas là. T'es sûr? Vas-y. T'as raté. Ça va marcher. Merde, t'as appuyé sur quoi? Bah sur L1, pourtant. T'as dit sauter sur un ennemi en contre. T'as la fait, toi? Bah non. Bah je suis tombé dessus, je l'ai fait tomber, mais c'est un ragdoll, tu vois. Ouais, ça coûte un point de compétence, cette merde. Est-ce que faut pas... Quoi? On est d'accord qu'il est mort debout, là. Non, moi je le vois mort... Ah non, tu ne vois pas. Non, moi je vois allongé, mais il est en mode... tu sais, il a un bras en l'air. Oh, il a encore les lèvres qui bougent. Tiens, viens. J'ai passé quoi? Salut! Ok, c'est bon. Ah, c'est très pratique, ça. Allez, on va voir Hans, les gars. Lui, on va s'arrêter juste devant lui. Ekon, pardon. C'est qui Hans? Hans, bah c'est le chasseur. Ah putain, bon, on va voir Ekon, les gars. Est-ce que t'as pris la petite barre là? Hein, pardon? La jaune là, ici. Attends, il y a un mec qui crie, c'est mort là. Oh, on peut pas sauver la. T'as pris la petite barre? Trop tard. Mais c'est quoi la barre? Bah c'est les barres jaunes pour faire genre pour faire le kéké, escalade. Ah non, mais la tyrolienne. Ne lui parle pas. Je lui parle pas. On va s'arrêter là. Allez, aussi. N'oubliez pas le like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais tu sais où t'as eu tes lunettes? C'est ce qu'on a ramassé dans le truc. N'oubliez pas de j'aime le commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 7, évidemment. Mais je crois que c'est l'épisode 6. Mais on se retrouve bientôt quoi qu'il arrive. L'épisode 6 en effet.